Les épisodes spéciaux sur Fairy Tail font leur grand retour. Bordel de merde, merci, merci petit Jésus. Et aujourd'hui, mention spéciale à nos belles jeunes filles, puisqu'on va parler beaucoup plus en détail de la magnifique Joubia, ou comme on l'appelle, la fille de l'eau. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours bien apprécié notre fameuse magicienne de l'eau. Certes, au premier abord, on peut se dire qu'elle est un petit peu bizarre, un petit peu loufoque, mais au final, elle possède une personnalité très 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 attachante, surtout si on regarde au niveau de son enfance. Bon, je vous rassure, ce que je viens de dire n'avait aucune connotation sexuelle, donc enlevez-le de votre esprit, faites delete, mettez-le à la corbeille, tout ce que vous voulez, mais ne le retenez pas, s'il vous plaît. Malgré tout, il faut bien reconnaître que Joubia, depuis sa plus tendre enfance, a toujours été mise de côté. Et ce, parfois pour des situations complètement débiles. Et je vais même aller plus loin en vous disant le fait qu'elle se soit retrouvée à Phantom Lord, par exemple, ça n'a rien d'étonnant. Joubia s'est certainement retrouvée seule à un moment donné dans sa vie, où elle n'avait plus aucune raison de croire en quelque lumière que ce soit, une lumière sainte ou tout ce que vous voulez, et elle a plongé directement la tête la première, eh bien, dans les forces du mal, que voulez-vous. Elle a plongé la tête la première parce que Maître José fut véritablement le seul à croire en elle et en sa personnalité. Et d'ailleurs, vous vous rendez bien compte que elle ne s'est pas posé de questions, elle s'est dit « Quelqu'un m'accepte comme je suis, je ne vais pas refuser une offre pareille, bordel !» Et là, je vois venir les petits fans de couple Fairy Tail derrière leur ordi à se dire « Allez, dépêche-toi, on s'en fout de Phantom Lord, parle-nous de ce qu'on attend, bordel !» Et vous avez raison, parce que pour moi, et pour vous également, Joubia a clairement trouvé en Gray l'âme sœur. Et oui, ah, c'est beau l'amour, je ne fais pas trop bien. Au-delà de la fusion parfaite entre l'eau et la glace, c'est clairement leur enfance qui est identique. Ils ont tous les deux eu une enfance tellement difficile. Ils ont même parfois été rejetés l'un comme l'autre parce qu'ils semblaient différents et qu'on n'acceptait pas leur personnalité en elle-même, tout simplement. Je dis ça, je dis rien, hein? Le dites pas surtout, mais il est probable que dans 2 épisodes, je fasse une vidéo centrée sur Gray. Chut, je ne vous ai rien dit, donc... vous jetez la clé à la poubelle et chut, pas un mot sinon vous allez en enfer, d'accord? Bien, on continue. Au-delà même d'un coup de foudre, c'est clairement une complémentarité que Joubia a su trouver dans notre beau Gray. Vous avez beau me dire tout ce que vous voulez, quand il y avait des épreuves où ils devaient unir leur pouvoir, ça fait mal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, ça fait très mal à l'adversaire. Et il faut bien l'avouer, cette magicienne possède quand même un caractère bien trempé. Ouh, oui, je sais, le jeu de mots était facile, mais bon, passons. Comme je vous l'ai dit avec ce magnifique jeu de mots, cette magicienne possède un fort caractère, et des pouvoirs qui ne cessent de croître au fil de l'animé. Sérieusement, prenez la Joubia de l'arc Phantom Lord et de la Joubia de l'arc Tartaros, il y a un fossé quand même entre les deux, pour être clair, ça dépasse même ma caméra, bordel. Et n'oublions pas les amis, elle s'est très vite adaptée à la guilde de Fairy Tail. Elle a même fait passer le besoin de ses amis avant les siens, ce qui est clairement une magnifique preuve d'amour, sincèrement. Et comme beaucoup de personnages dans cet animé, et comme beaucoup de personnages dans n'importe quel animé que ça soit, on va être clair, Joubia possède quand même une détermination sans pareille, voire même excellente. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi Joubia me fait un petit peu penser à Marika Tachibana, oui, dans Nisekoi, qui a une détermination sans pareille et qui est prête à tout pour attirer le regard de son bien-aimé. Et c'est ce que Joubia essaye de faire en grande partie vis-à-vis de Gray. pour être franc les amis, moi je garde quand même de très bons souvenirs de Joubia dans Fairy Tail, notamment lors de l'arc des jeux magiques, mais aussi lors de l'arc Tartaros, où elle a tout simplement explosé dans les sens du terme, où elle a démontré la puissance de ses sentiments, mais également de ses pouvoirs, des sentiments et des pouvoirs qu'elle renfermait en elle depuis, il faut le dire, bien trop longtemps. Et ça a fait un bien magnifique, je trouve, à ce personnage et à son caractère en lui-même. D'ailleurs, vu qu'on en est à parler de Tartaros, moi il y a une scène qui m'a quand même un petit peu foutu les boules, mais dans le sens bien, voilà, dans le sens bien, c'est bien sûr la scène où le père de Gray fait sa déclaration à Joubia quand il éclate en mille morceaux pour rejoindre le paradis, et où Joubia lui promet tout simplement de protéger Monsieur Gray au péril de sa vie. Et je ne sais pas vous, mais moi cette scène, elle m'a fait extrêmement plaisir. Parce qu'on a vu que l'amitié et l'amour sont deux valeurs essentielles qui font le personnage de Joubia. Si elle n'avait pas à la fois l'amitié pour ses amis et l'amour pour Monsieur Gray, je pense que Joubia ne serait pas devenu un personnage aussi fort et aussi merveilleux dans cet animé. Donc voilà, moi quand j'ai vu cette scène, ça m'a fait vraiment de la tristesse, mais à la fois de la joie de la voir comme ça, tout simplement. Comparé à certains personnages de cet animé que je critiquerai par la suite, j'ai toujours bien aimé Joubia. Oui, je l'ai toujours bien apprécié dans l'animé, que ce soit de l'arc Phantom Lord jusqu'à l'arc Tartaros. Sérieusement, ce personnage, je le kiffe, tout simplement. Oui, je l'ai toujours bien apprécié parce que très sincèrement, chacune de ses répliques, de ses interventions, de ses déclarations m'ont ému. Et m'ont fait tout simplement comprendre que peu importe les épreuves de la vie, tant qu'on possède de la détermination et de l'espoir, on peut franchir n'importe quelle barrière. Et c'est ce qui résume Joubia tout simplement. Elle ne s'est pas laissée abattre dans cet animé, elle a progressé en amitié, en amour, dans tous les sens du terme. Et chapeau quoi, franchement, magnifique. Joubia méritait que je lui accorde un petit peu d'attention dans cette vidéo. Ce n'est que justice après tout. Allez, on file vers le 7ème là. C'est donc la fin de ce 6e épisode consacré au personnage de Fairy Tail. J'espère qu'il vous a plu déjà, parce que très sincèrement, j'avais quelques abonnés qui m'avaient demandé de faire sur Joubia, et c'est chose faite mes petits chéris, c'est fait. Donc voilà, encore une fois, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce, en mettant un commentaire, et justement... vous m'avez proposé beaucoup trop de personnages, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais vous pouvez me proposer dans les commentaires, et attention, c'est un incontournable, vous devez me mettre vos choix d'esprits stellaires, les esprits de Lucie, de Yukino, enfin les esprits des portes du Zodiaque. Vous me mettez vos idées de personnages dans les commentaires, donc que ce soit Loki, Ariès, Aquarius, tout ce que vous voulez, et je les retiendrai, parce que j'ai trop de personnages, et voilà. Au moins on va faire un petit peu sur les esprits, donc commentaires, esprits stellaires, merci. Quant à moi, je vous retrouve dans 1 ou 2 mois pour le 7e épisode sur les personnages de Fairy Tail. Et petit indice, ce sera sur un mec, donc il y aura 2 épisodes sur des mecs. Ouais, viril, génial, la barbe, les moustaches, les poils, donc c'est super. Le prochain, attention, hein, ça va être limite au niveau de l'appréciation, donc vous verrez bien. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le 7e épisode. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans la Minute en Vrac pour de nouvelles vidéos. A bientôt, bon week-end, bonne semaine, ciao, Joubia. Je voulais rendre la guilde plus forte.